Cette chronique sera la dernière pour l'été, puisque je pars quelques jours en vacances. Mais ces vacances vont être pour moi avec un sommet en la période du pèlerinage à Lourdes. Nous nous réjouissons de pouvoir partir nombreux. Cela fait 2 ans que nous n'avions pas pu aller en diocèse jusqu'à la cité mariale. Les conditions de l'épidémie nous avaient fait renoncer à partir là-bas. Nous avions à ce moment-là transformé notre pèlerinage en des rencontres ici. Mais voilà que enfin nous pouvons retourner sur les bords du Gave, à cette grotte de Massabielle où la petite Bernadette a vu une dame lui apparaître. Avec le pèlerinage diocésain, nous voulons prendre tous ceux qui vont rester dans leur maison, les malades qui ne pourront pas faire physiquement le voyage, et nous pourrons ainsi marquer notre communion entre le diocèse de Langres et la délégation des pèlerins qui partira. Nous serons en union spirituelle. Vous pourrez bien sûr suivre ce pèlerinage grâce au reportage qui en sera fait sur le site diocésain notamment. Et à travers ce suivi concret, vous pourrez marquer petit à petit que vous-même, vous êtes en pèlerinage avec ceux qui sont là-bas. Alors, bon mois d'août, bon pèlerinage et bonne fête de l'Assomption de Notre-Dame.